Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Ismaïla Sarenbi. Ismaïla Sar, actuellement, il est très très bien courtisé par les cadors européens. Ismaïla Sar, def na saison bu djegi dayo avec le Stade Rennais. Ismaïla Sar, c'est sûr que devait du porter le maillot rouge du Stade Rennais. Motax 3 ans après la vente de Ousmane Dembélé pour 15 millions d'euros, cette fois-ci Rennes bëgg no def erreur, dañu bëgg jaay donc Ismaïla Sar prix bu djegi dayo. Motax après sa victoire en Coupe de France et sa qualification en Ligue Europa, les Bretons souhaitent profiter de l'été pour renforcer l'effectif. Donc Ismaïla Sar dañ koy jaay après jënd ay joueurs yu bess pour mëna donc continuer l'aventure avec les Bretons. Mais actuellement gis nañ né deux Italiens ñu ngi donc placé comme l'AS Rome et l'Inter Milan, ñom se sont déclarés comme des courtisans officiels de Ismaïla Sar. Fait ci Angleterre am nañ Watford, am nañ Leicester qui sont déjà dans la boucle parce que am nañ xaliss pour jënd Ismaïla Sar. Donc en France, Monaco est à l'affût, mais Rennes ne fera aucun cadeau à la principauté. Mais Rennes, lan moy sen prix? Donc selon les informations, le Stade Rennais réclame un très gros montant. Donc Ismaïla Sar ñu ko jëndé 17 millions d'euros en provenance de Metz. Metz nak donc Rennes dañ ko bëgg jaay minimum pas moins de 50 millions d'euros. Né nañ ko indul 50 millions d'euros. Donc dollar Ismaïla Sar minimum lañ wax, minimum lumu gatt gatt, lumu new new, lumu tour tour, 50 millions d'euros pour l'enfant de Saint-Louis, l'ancien joueur de génération foot Ismaïla Sar. Donc aucune offre n'a été formulée, mais donc Inter Milan ak AS Rome positionné wonañ officiellement, Watford ak Leicester aussi positionné wonañ. Ismaïla Sar Angleterre wala Italie fan lay dem? Donc je vous laisse donc en commentaire ngén wax ma quelle est la meilleure destination, fan moy meilleure destination, fan moy meilleure destination, ban club mo gëna bax ci Inter, AS Rome, Leicester wala Watford pour Ismaïla Sar, parce que club yoy ñoo positionné gum pour Ismaïla Sar officiellement. Mais Rennes nénañ minimum 50 millions d'euros pour bayyi Ismaïla Sar. Ismaïla Sarenbi. Drame, drame, jour de jambar actuellement avec les Lions U20. Durant la Coupe du Monde U20, Folletier, donc Folletier Pologne, donc Ibrahim Dramé pourrait rejoindre l'Allemagne avec le Red Bull Leipzig. Donc Ibrahim Dramé, joueur de Djambar, 17 ans, 1m67, donc c'est un milieu terrain de poste, c'est un excellent trait de poste, c'est un donc bon ailier qui est technique et qui est rapide, qui a fait d'excellentes prestations lors de la CAN U20. Folletier Niger, actuellement il est remplaçant pour la Coupe du Monde, mais quand même il rentre et il fait de très bonnes choses. Moto qui dit donc Leipzig fallait ci Allemagne, donc bëgn nañ ko jënd, et sauf surprise, sauf donc sauf retournement de situation, donc Ibrahima donc Dramé dina dem fallait ci donc fallait ci Leipzig pour disputer donc sa première carrière donc professionnelle, donc sa première donc expérience professionnelle fallait ci Europe, parce que jusqu'à présent il joue à Djambar, c'est un jeune joueur de 17 ans mais qui a fait ses preuves. Djambar et Ibrahima Dramé sont deuxième de la Ligue 2 sénégalaise, yegar nañ première division, joue na CAN U20 avec le Sénégal, finale perdue face au Mali, et cette fois-ci actuellement il joue la Coupe du Monde U20. C'est un jeune ailier qui est rapide, qui est technique et qui est percutant, qui peut percer les défenses et marquer des buts et offrir des caviar. Montax wa Leipzig donc tek nañ ko bot, sauf retournement de situation, il va quitter le Sénégal pour aller en Allemagne et démarrer sa carrière européenne. Donc Lafiat Chakaw Chak Idrissa Gaindoro Momo Fay Moustapha Diouf mayna len bobu Idrissa Gaindoro Gaindoro fa lañ ko tuddu du côté de Manchester United. Janvier ñu ko don tuddu Paris Saint-Germain, mais donc le transfert de Idrissa Gana Gueye vers Manchester United est en bonne voie parce que Ole Gunnar Solskjaer est admiratif de Idrissa Gana Gueye. Donc décidément les Lions ont la cote à Old Trafford, donc Kyle Koulibaly ñu koy top, donc Darko Nanmé Dara, mais actuellement aussi Gana Gueye. Solskjaer bëgn ko jënd pour renforcer son milieu terrain, d'autant plus que Ander Herrera Daydem. Donc plusieurs fois Solskjaer a supervisé Idrissa Gana Gueye, et selon Evening Standard, Solskjaer a expliqué à ses dirigeants son intérêt pour Gana Gueye. Donc selon le média Evening Standard, donc Ole Gunnar Solskjaer wax na ay dirigeants amné soxla na Idrissa Gana Gueye, donc def len tout pour jënd Idrissa Gana Gueye. Donc gis nañ Manchester United ak Everton donc sont de bons collaborateurs, ñom ils collaborent ensemble. Wayne Rooney Everton la jugé de Manchester United, Marouane Fellaini aussi, donc ñom Morgan Schneiderlin, donc ñom Phil Neville, donc ñom Lukaku, ñom Timo Ward. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont passés d'Everton à Manchester United, donc là warlu poser problème ce transfert, d'autant plus que donc wa Everton fixé nañ le prix de Idrissa Gana Gueye 40 millions d'euros, moy 26,2
milliards de francs CFA. Donc Paul Pogba est de plus en plus annoncé du côté du Real Madrid. Mais selon Liverpool Echo, pour décrocher la séance du 10 Ganagay, les formations intéressantes, donc intéressées, devront casser le tirelire. 40 millions d'euros pour Idrissa Ganagay. Je pense que Diarra Sakho ou Lolo, Idrissa Ganagay, donc l'un des meilleurs milieux terrain au monde actuellement, le meilleur milieu récupérateur de la Premier League, Kokoy, Idrissa Ganagay. Donc Pogba, Mouaye Dem, André Herrera, Fred Nekul Tiforme, il faut que Solskjaer ait un milieu terrain qui connaît la Premier League et qui pourra aider ses coéquipiers aussi bien tactiquement que donc aussi dans l'agressivité, parce que Ganagay il est bien tactiquement, il est bien techniquement, mais aussi c'est un joueur agressif d'être Kani Pachalingom Ridbeugé Tolol Manchester United soxlo. Donc Solskjaer mo bëgn na Ganagay, donc Ganagay aussi bëgn na dem Manchester United, donc ay bëgënté la. Je pense que l'affaire sera conclue dans les prochaines semaines, juste après la CAN. Je pense que accord dina am entre Manchester United ak Idrissa Ganagay, parce que pour man du point de vue xaliss Manchester United amnu problème xaliss pour décrocher, donc pour gagner khalis bobu, pour gagner somme bobu di donc une somme de 40 millions d'euros pour jeune Idrissa Ganagay, parce que xamnañ né Ganagay amana une importance et il va aider leur équipe à revenir au plus haut niveau, surtout jouer les places européennes pour la saison prochaine. Donc Idrissa Ganagay, donc Solskjaer d'accord pour ñu Manchester United, donc xamnañ prix bi 40 millions d'euros. Je pense que Manchester United ñoti dess, donc dougal len loxo ci poste jeune Idrissa Ganagay, comme ça Ganagay pourra disputer le plus haut niveau en championnat, mais aussi espérer disputer l'année prochaine la Ligue des Champions. Gagnoro de Omar Ba Malay Begué, Serigne Thiès Thiès Malay Begué, Muntaka Black, Moustapha Sané, Pam Massar Fall, Daouda Sek, donc Moustapha Cissé Diop Malay Begué bu baax Tibawan Malay Begué, donc Abdou Sam Fallou Galas Gay, Samsou Ndiaye, Nongoka Pap Tiongan, Comedy SN Abdignon Borom Ben Barak Malay Begué bu baax, donc Kaouman Thiam Borom Yombal Borom, donc Aïssé Bissab bi, Ndiaye Ahmed Malay Begué, Samba Diagne Modou Lamine Tekkane Malay Begué bu baax, Salif Selam Ousseynou Seck Mam Malick Camara, donc Lay Diakhaté Mbassa Tune, donc CDC Abo Wagne Ansou Junior Koulibaly, donc Malay Begué Ansou Koulibaly, Seck Khalil Raja Rani, Abdou Sambou Ndiaga Diagne, Yoni TV Abraham Mandaye, donc Ahmadou Bamba, Fally Sané, Samba Wad Nongoka Talandoy, Laylo Ali Dien, donc Abdoulahad Sen Malay Begué, Dylan Begué. Dylan Begué.